Alors bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire voir comment installer un coupe-circuit sur sa voiture, sur sa batterie. Et je vais vous faire voir que c'est simple, que tout le monde peut le mettre et qu'en fait il n'y a rien de compliqué, vous avez juste les deux vis, une vis à desserrer, de remettre le truc. Donc je vais vous faire montrer ça et je vous mets le lien en bas du produit si ça vous intéresse, ce coupe-circuit là. Et c'est parfait pour couper le circuit de la batterie. Voilà, donc je vous mets le lien en bas. Alors ce qu'il faut faire, c'est que déjà vous enlevez en fait le négatif, hein. Vous le débranchez, enfin vous le dévissez, je veux dire, vous le débranchez, voilà. Vous mettez, on va le mettre en bas pour l'instant, vous mettez ça. Bon, pour l'instant vous enlevez le coupe-circuit, vous enlevez le verre, ok. Vous le mettez comme ceci, voilà. Le négatif, on va le mettre, vous le remettez dans le rond en fait. Comme ceci, vous voyez. En fait, vous regardez lequel c'est mieux pour le mettre par rapport à votre voiture. Vous revissez. On va revisser la vis dessus. Vous voyez, comme ceci, là, regardez. Voilà. Donc, on revisse la vis dessus. Ok. Après, vous vissez la vis du coupe-circuit. Alors ça, en général, c'est une clé de 8 pour la cosse de la batterie. Et ça, c'est une clé de 13. On va le serrer. Voilà. Après, vous mettez le coupe, la petite rondelle du coupe-circuit. Voilà, donc ça se présente comme ça, regardez. Vous voyez, c'est aussi simple que ça, vous remettez la borne du moins sur dessus et en fait vous revissez là. Et faites attention que en fait que ça touche pas. Donc ça se présente comme ça. Donc vous voyez sur votre batterie, hein, ça sera pareil. Hein. Après, tant que c'est vissé, ça bougera pas. Donc je vais vous faire voir. Là, je vais démarrer la voiture. Ok. Voilà. Et vous allez voir qu'en fait, en tournant, le moteur il est en marche. Voilà. Ça se coupe tout seul. Donc en fait, dès que vous dévissez un petit peu, en fait, ça, le circuit il se coupe. Donc si vous partez en vacances, que vous voulez débrancher votre batterie et que vous voulez pas tout débrancher, vous avez juste à tourner en fait. Et voilà, donc dès que vous voulez remettre le contact, vous revissez. Et là, c'est bon, vous voyez. Là, c'est revenu. Vous voyez. Dès que je desserre, donc je le desserre. Hop. Là, il n'y a plus de contact. Vous voyez. Voilà, c'est aussi simple que ça en fait. Donc c'était pour vous faire voir comment mettre un coupe-circuit sur sa batterie. Et que si le produit vous intéresse, je vous mets le lien en bas et voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà, allez, à bientôt pour une autre vidéo. Ciao!